Donc aujourd'hui, donc dimanche 12 février, on a organisé donc une compétition, une rencontre sportive qui tourne autour de la citoyenneté, des valeurs des arts martiaux, des valeurs citoyennes, républicaines, surtout sportives. Donc on a fait cette rencontre avec trois clubs différents issus de Franche-Comté, donc Betoncourt là, avec le KCB, Besançon avec le Planoise Karaté Academy. Alors le Planoise Karaté Academy, c'est un club donc, qui est situé à Besançon, à Planoise. Nous avons fêté les 30 ans il y a 2 ans, donc un club trentenaire. Et aujourd'hui, notre particularité, c'est qu'on est issu d'un quartier qui a beaucoup d'histoire et beaucoup de potentiel et de ressources. Ce qui nous ressemble avec les ressemblances qu'on a avec Betoncourt et Héricourt. Aujourd'hui, on est venu pour, moi déjà, pour ma part, pour rendre hommage à un grand monsieur qui était ici avant, qui était Ali. Ça a été mon prof depuis que j'ai commencé le karaté jusqu'à... C'est resté toujours mon prof depuis tout le temps, quoi, par le fait. Et aujourd'hui, ben, pour rendre hommage à ce monsieur, pour rendre par respect vis-à-vis de tout ce qu'il a promu, toutes les valeurs qu'il défendait, il fallait obligatoirement qu'on soit là aujourd'hui. En plus, Hakim est quelqu'un que je connais, que j'apprécie énormément. Et PKA en plus, donc c'était l'occasion pour nous de partager un moment convivial. Bien sûr, il y a une championne du monde, mais on a aussi l'occasion d'échanger avec Betoncourt, Besançon, Héricourt. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'espère que cette première rencontre sera suivie de beaucoup d'autres entre nous trois clubs. Voilà. Le lien qu'on a avec les deux clubs, Betoncourt et Héricourt, c'est aussi notre envie de centrer notre travail sur les valeurs éducatives, les valeurs citoyennes, et puis la valeur de l'effort, la valeur du respect. On travaille autour de la citoyenneté, du respect, de la tolérance, de la persévérance, et surtout de la rencontre et des échanges envers les autres. Donc cette rencontre, c'était à l'initiative d'un élève, donc Alim, qui m'a proposé de faire une rencontre PKA et Héricourt, puisqu'il est originaire de PKA et qui s'entraîne aussi chez nous à Betoncourt. Et donc on a essayé de monter ça en parallèle avec les deux autres clubs, et donc d'où est née cette rencontre. Donc ça consiste en un entraînement, et surtout à l'après-midi, à une petite compétition amicale. La chose innovante par rapport à d'habitude, ça va être une compétition par équipe. Donc on prend 3 pupilles, 3 benjamins, 3 minimes. Mais on a tous des valeurs communes. Ce qu'on enseigne chez les parents, sur l'éducation nationale, et la gendarmerie et les institutions sont les mêmes. C'est ce qu'on essaie de faire montrer aujourd'hui. Et on essaie aussi surtout de promouvoir la mixité entre les garçons et les filles. C'est aussi une chose primordiale dans le cadre de notre projet. Concernant le déroulement, donc le déroulement de la journée, c'est le matin, stage. Avec Nadège Ibrahim, donc championne du monde individuel par équipe, membre de l'équipe de France, championne d'Europe également, et qui est venue déjà faire un stage hier uniquement pour les filles de Betoncourt. Donc hier, on en avait une cinquantaine à peu près, qui a fait cours de fitness, cours de karaté, et aussi une intervention des éducateurs de prévention, et d'un médecin qui leur a parlé de tout ce qui est lié au bienfait du sport, la nutrition. Bah, je me présente, je m'appelle Nadège Ibrahim, championne du monde, championne d'Europe, plusieurs fois championne de France. Un stage. On va commencer l'échauffement et on va faire un bon échauffement et après on va chercher les gens. Okay. Allez, on commence à courir. On fait le tour du tatami. Allez, vas-y, lance. Mon intérêt, c'est de transmettre mes valeurs, les valeurs du karaté, dire aussi que c'est possible d'y arriver. De montrer aux petits qu'il ne faut rien lâcher et que peu importe d'où l'on vient, on peut y arriver, on peut être champion du monde, il faut se donner les moyens d'y arriver et y croire surtout et travailler. Donc voilà, moi aujourd'hui, hier j'ai donné un cours
Et j'ai apprécié le club, j'ai apprécié les élèves. Ils sont très chaleureux, ils m'ont bien accueilli. À l'image de Hakim, leur entraîneur, ils sont vraiment géniaux. Ils m'ont transmis toute leur chaleur. Et voilà, j'ai vraiment apprécié partager ce moment avec eux hier. Et aujourd'hui, on donne un stage un peu plus grand parce qu'il y a d'autres clubs. Mon stage consiste, c'est ma spécialité, c'est le combat, c'est le kumité. Donc je leur apprends des techniques que l'on fait en compétition. J'essaye de leur apporter en fait un entraînement plus ou moins spécifique que l'on fait en équipe de France. Donc c'est un entraînement de haut niveau. Donc en fait je veux leur apporter et leur montrer ce que c'est qu'un entraînement de haut niveau. Et après j'essaie de leur apporter des techniques, des tactiques, des stratégies qui peuvent leur apporter et qui peuvent faire leur déclencher quelque chose pour gagner des compétitions. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Éric Corvézier, je suis chef à la brigade de prévention de la délinquance juvénile et aujourd'hui je suis venu parler de la justice des mineurs, je suis venu parler de la loi, je suis venu parler du respect par rapport à la loi et de tout type de violence, violence verbale, violence morale ainsi que violence physique. C'est ce qu'on va essayer de mettre en application entre le sport aujourd'hui et puis également ce qu'on peut mettre dans la vraie vie également, des bases, des règles, et je pense que c'est très important. On va également parler un petit peu d'internet, on va parler du cyberharcèlement, tout ça en une demi-heure. Ça va être juste, mais on va essayer de respecter le timing parce qu'on a beaucoup d'enfants ce matin qu'on va recevoir. Et le tout dans la bonne humeur, puisqu'on est dimanche, on va essayer d'en profiter. Vous ne nous connaissez peut-être pas, ce qu'on s'appelle la brigade de prévention de la délinquance. Si. Alors certains nous connaissent, mais je crois qu'il y a des qui sont de Besançon. Parce que vous savez quel âge ? Entre midi et deux, on offre un repas. Ce sont les membres du quartier de Betancourt avec l'association Sendou et des mamans bénévoles de l'association qui viennent préparer un repas pour les enfants et aussi pour les autres parents, les organisateurs. Et cet après-midi, donc, il y a la compétition proprement dit. Donc c'est une compétition par équipe, je dis comme dit, amicale. Tout le monde aura la même chose, voilà, y a pas de... on n'essaie pas de privilégier une équipe par rapport à une autre, mais c'est surtout la convivialité entre tous les combattants. Donc c'est un projet qu'on a déposé dans le cadre du FAP avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on remercie énormément parce qu'ils ont contribué quasiment la totalité à ce projet. On remercie aussi la mairie de Betancourt qui nous a aussi donné financièrement et logistiquement. Il y a donc tous les sponsors qui nous ont pu aider, Biliana Travel, Turkeli, Jean, s'il y en a d'autres que j'ai peut-être oublié, le conseil départemental, PMA aussi. Donc on les remercie énormément pour ce qu'ils nous ont attribué. Et puis on essaie de faire en sorte que la journée se passe bien. Donc voilà, on est là pour que les enfants puissent s'amuser, apprendre à se connaître. Donc je vous dis, il n'y a pas de choses vraiment compétitives.